Et le coup d'envoi est donné par la paire d'arbitres. Le bon décalage. Ouais, le temps fort. Tout de suite tourné avec tout de suite un petit shoot là qui va y aller directement. Et ce premier but à maintes et maintes reprises la saison dernière. Très bon début de saison également. La première en feinte et la deuxième, bah, ce sera la bonne. Les Saran aiment beaucoup exploiter les espaces libres. Avec Antaïman. Oh, ouais. Sur l'intervalle, oh, laissé. Double pas mal. Là et là. Oh, ce shoot bien pensé, bien réfléchi, il est signé Sergei Koudinov. Là, on voit Robbins qui tourne autour. Ouais, Eman qui cherche encore. Oui, bien joué. Très belle relation entre les deux joueurs. De nouveau, Eman pour Šimović. Šimović, ouais, une fois de plus. Bah, on voit la différence avec le jeu de Robbins, qui est plutôt créateur, mais qui tient un peu le ballon. Oh, c'est, c'est une jolie séquence avec Leye, là qui va aller faire sa petite pince. Sa petite feinte et Vanya Ilic qui va aller mettre ce ballon. Regardez, c'est superbe. La petite feinte est derrière, il va aller trouver la lucarne. Ah, dommage. Tout à l'heure, hein. Le ballon, il va être Chartrain. Et il est tout seul. Oh, l'arrêt. L'arrêt, c'est superbe ça. Nicolas Gauthier. Ouais, Nicolas Gauthier nous a offert un. Oh, ce shoot. Ce tir à la hanche. Il faut faire preuve d'un peu plus d'application. Ouf. Ouais, eh ben ouais. Oh, la passe cette jolie dos. Passe dans le dos là, effectivement, et le but. Le but signé Debochev Šimović. Et on a vu une équipe depuis le début, là, une équipe de Saran, tout comme une équipe de Chartres bah, qui se battent comme de beaux diables. Hein, c'est ouais, nous, un ballon perdu, ça, il faut éviter. Hein, Robin, faut éviter. Robbins de nouveau. Et Nicolas Gauthier est battu. Dommage côté Saranais. Robbins, il a tendance à lâcher ses ballons alors qu'il est retenu. Il ferait mieux de garder la balle, d'obtenir la faute. Qui sont dus à ce fait-là. Oh, le shoot Matteo Faduil, on en parlait tout à l'heure. Il n'hésite pas à oser. Et ben voilà, Matteo Faduil, le shoot, le missile et le but. Et la réponse, Chartrain, elle est évidente, elle est immédiate. Vanya Ilic qui vient marquer et qui remet son équipe à plus 2. Le match qui s'emballe pas, hein. on reste à un petit but d'écart, peut-être un deuxième, non. Ah, et Gauthier qui plonge. Voilà, Gauthier qui a dû plonger. Ouais, bah, il est allé au charbon, comme on dit. Hein. Il est allé à fond. Et ben bah, ça a réussi. Ah, Faduil qui se tente sur un tir à l'appui. Ouais, là, malheureusement, bah, cette fois-ci, ça donnera rien. Attention, parce que là, du coup, faut faire attention à pas psychologiquement basculer dans quelque chose de négatif. Pris un petit coup de sang là avant avec son coup dans le visage. Oh, la belle passe. Oh, c'était précis. Mais en face, il y a un excellent gardien. Et ça a commencé du côté de Nîmes, hein, sur Beansport. Nîmes, Saint-Raphaël et Saint-Raphaël. Le beau renversement. Oh oui, la réduction du score et le but de Javier Muñoz. Attention parce que, oh oui, il se retrouve tout seul. Il décale, il envoie ce ballon au fond défilé. Il n'a absolument rien à faire de plus, Tom Robbins, c'est excellent. Enfin, Tom Robbins. Ouais, et la réponse, elle est immédiate, avec un arrêt superbe de Nicolas Gauthier, une fois de plus. Oui. Ouh, oh, c'est superbe. Merci Tom Robbins. Tom Robbins, mesdames, messieurs, monsieur Tom Robbins. Bon, Nancy est un peu compliqué là, hein, vraiment. Oh, la roucoulette. Voilà, il pose son dribble, il cherche bien Caron. Oh, c'est bien. Et ça, ils vont s'en mordre les doigts. Vanya Ilic qui permet à Chartres de reprendre l'avantage. Et Vanya Ilic qui harangue son public. Eh oui. Eh, parce que les supporters chartrains sont là également ce soir. Et on le voit tout de suite, hein, le regard, il se tourne vers son public. Et on les voit là. La brigade. Ah, et c'est pas le bon. Et il a eu le temps de revenir. Et oui, ça lui permet de limiter la casse. Et 2 minutes pour Kevin Toffon, c'est déjà les deuxièmes. Petit coup de mou pour Saran. Et pourtant là on regarde Vanya Ilic, il décale sur le côté droit. Et en fait la solution était à gauche. Pas maîtrise de A à Z. Pas d'inquiétude. Ouais, c'est ça. Même quand. Ouf. Alors là, superbe. Allez. Là, ça c'était vraiment très beau. Ce but signé
Vasco Sevalevic. C'est ça qu'on lui, c'est ça qu'on lui demande. Hein. On lui demande pas grand chose d'autre. Hein. Plus. Pose leur jeu. Allez, Koudinov. Oh, voilà, là. Récupération de balle. Peut-être réduire le score. Oui. Quand même au contact. C'est pas bon. Ah, Robin s'il se trompe complètement là-dessus. Et ça va être très long. Ouais. Là, ça va être long pour les Saranais. Écoutez, on va vous laisser là. Mais c'est un joueur qui a un potentiel. Alors regardez, mais voilà, là il essaye, il a pas peur, et c'est dans la lucarne directement Matteo Faduil. On était en train d'en parler, mais c'est sublime ce qu'il fait. Une vingtaine de minutes à Nîmes, où Nîmes reçoit Saint-Raphaël, et c'est Saint-Raphaël qui mène. Allez, le but. 21-17. Allez, Antoine Blanc. Allez, peut-être pour le dernier but de la partie. C'est terminé, Saron qui s'incline ici à Orléans face à Chartres. Pour ce derby de la région Centre-Val de Loire.